Hello hello les amis balance, ascend en balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr... Ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances plutôt au mois de pendant le mois d'avril, hein, euh, voire à la fin du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Euh, et c'est un divertissement sur YouTube, hein, ne l'oubliez pas, euh, ne prenez pas ça trop au sérieux non plus, euh, prenez uniquement les messages qui vous intéressent et qui vous parlent, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la bonne surprise qui vous attend en avril, par exemple, que je viens de poster, et la guidance sentimentale professionnelle du mois de mars qui sont encore à votre disposition. Allez, on y va. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour me soutenir, pour m'encourager, pour me montrer que vous êtes là à partager cette expérience sur YouTube. Je vous en remercie. La force inversée, le sentiment que on n'a pas forcément le contrôle sur tout hein, ici. La force quand elle est à l'endroit, eh bien écoutez. Euh, on est capable de maîtriser les choses, de maîtriser nos forces, nos faiblesses ici on perd un peu le contrôle de quelque chose alors soit euh, on a tendance à se mettre en colère comme euh, d'un seul coup comme ça de, de péter les plombs soit euh, on fait une crise d'impatience c'est à dire que tout à coup euh, on n'arrive plus à gérer quelque chose et on devient totalement impatient euh, soit euh, on devient totalement jaloux... Hein, voilà, ça peut parler de plein de choses, mais ça peut être une sorte de perte de contrôle quelque part. On n'arrive pas à garder la maîtrise et on a l'impression qu'on ne peut pas peut-être réaliser les choses comme on aimerait le faire. Donc il peut y avoir une certaine forme de colère, de lutte. D'impatience, comme je le dis, comme je l'ai dit, pardon, de cruauté, même parfois, hein, ça peut, ou alors carrément d'insensibilité, euh, de discorde. On peut euh, se retrouver à mettre, euh, entre guillemets, le feu <laughs> dans quelque chose parce qu'on euh, on peut avoir un peu les nerfs, quoi, quelque part, hein, euh, les nerfs qui lâchent ou quelque chose comme ça. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus. Dans ce tirage... Euh, et... Euh, on va commencer par la première colonne... La deuxième viendra compléter... Quel sera votre état d'esprit en avril les amis Balance... Le 7 de bâton... Alors... Vous défendez vos intérêts... Ici... Hein? Vous... Euh, vous défendez... Euh, vos projets... Votre façon de faire... Votre vision des choses... Euh, ici... On sent que vous êtes impliqué dans quelque chose... Euh, et que finalement... Euh, vous sentez qu'il euh, y a du potentiel, vous, avez, euh, euh, vous recevez comme un, un premier résultat de ce potentiel avec, euh, avec ce 7 qui vous invite à. À persévérer, mais il faut continuer de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Donc, on peut être amené à se défendre, à se sentir parfois incompris ici, et on se met au défi de protéger sa création, sa façon de faire, ses intérêts ici. Donc, on peut se sentir un peu vulnérable et c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut se mettre à péter les plombs, à, à être un peu nerveux parce que on est un peu, on peut être un peu sur la défensive par exemple. On a envie que quelque chose aille plus loin, que nos projets aillent plus loin et euh, évidemment s'il y a un barrage euh, quel qu'il soit, on peut se mettre un peu en colère, on peut être très impatient parce que euh, y, on voudrait que ça aille plus vite ou quelque chose comme ça. Quel est votre principal défi euh, Votre défi à surpasser, à dépasser la Lune Peut-être votre imaginaire, donc, hein, avec la Lune. Hein, euh, ce côté inconnu euh, euh, fait que, euh, que, que, que vous avez du mal, peut-être, à vous projeter. Il y a comme une sorte de brouillard qui peut vous, vous agacer parce que. Finalement, vous voulez mener à bien un projet, mais vous ne savez pas trop quand, comment, pourquoi. Il y a la lune ici qui vient un peu perturber votre vision des choses. Alors, cette lune, ce défi, c'est aussi de ne pas monter vos envies en tête d'épingle pour en faire des rêves inatteignables ou de garder une certaine forme de lucidité. C'est peut-être votre défi ici de garder... De, de rester raisonnable, de, de ne pas partir du côté sombre de, de, la, de la force, hein, dans le côté obscur de la force, et peut-être ne pas vous laisser euh, embourber dans, euh, dans, euh, dans les peurs, dans, dans ce qui est un peu inconscient et qui pourrait remonter ici et, euh, et réveiller euh, ce, cette force inversée. Hein. Bon, on verra avec la deuxième énergie qui pourrait nous en dire plus. Qu'est-ce qui va se passer ou ne pas se passer euh, euh, qui sera important pendant ce mois d'avril Le roi d'épée, des décisions, des décisions qui seront prises. Alors soit euh, on parle de vous, hein, le roi d'épée, ça, euh, ça peut nous parler de vous, un signe d'air, euh, vous serez peut-être amené à prendre des décisions, à vous affirmer, à, à peut-être même monter le ton ici euh, pour... Euh, pour que quelque chose soit plus équitable. Ou alors il y a la présence d'un juge, d'un tribunal ou de quelqu'un qui euh, porte une décision importante pendant ce mois euh, pour vous. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose ici où euh, il y a une certaine forme de rigidité. Alors euh, moi je sens quand même que ça pourrait être aussi euh, vous ici. Hein, une certaine forme de rigidité par rapport à une colère, par rapport à une impatience, quelque chose. Je suis impatient, je tape le point sur la table parce que je connais la vérité. Je suis assez intelligent pour être bien placé et prendre des décisions. Il faut que ça aille plus vite. Il faut que tu arrêtes de, 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 de remettre en question mon, mon projet, par exemple. Donc, le roi d'épée, il s'affirme hein, ici. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois la justice, la, le roi d'épée et la justice, hein, on a un peu la même énergie, on voit ces deux personnages avec, euh, avec une épée, des décisions importantes qui pourraient être prises hein, euh, par vous ou par d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes euh, en procès actuellement, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Et euh, peut-être que la force ici inversée nous parle du fait que vous soyez extrêmement impatient que les choses arrivent. Euh, et avec le set de bâtons, je vous dis, euh, la persévérance finit par payer, mais il y a toujours des résultats derrière. Donc peut-être que vous êtes pressé d'avoir euh, tous les résultats, d'en de, savoir plus par rapport à, à cette affaire de justice, par exemple. Ou alors, encore une fois, on vient taper euh, du poing sur la table en disant stop, on arrête ça là, euh, tu arrêtes de, de m'embrouiller par rapport à mes idées, par rapport à, à ma façon de faire, ma façon de gérer mes choses. Euh, voilà. Il peut y avoir en tout cas encore une fois cette marque de rigidité. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le valet de coupe. Ce qui peut vous freiner ici, c'est une certaine forme de peut-être d'hypersensibilité, parce que le valet, le valet est toujours un peu inexpérimenté. Ici il correspond à quelqu'un euh, qui est un peu inexpérimenté en émotions, en, émotion, en sensations, donc un excès de sensibilité, une certaine forme d'immaturité. Euh, voilà, donc euh, peut-être qu'on se sent un peu bloqué dans sa créativité, et surtout avec la Lune ici qui est votre défi, euh, bloqué dans sa capacité à imaginer la suite, à, à, faire la su à, à créer euh, de nouvelles euh, techniques, hein, entre guillemets, euh, créativité donc. Et, euh, et surtout à se laisser embourber dans son émotionnel, surtout en présence du roi d'épée et de la justice. Euh, Peut-être que ça nous parle de trancher ici, hein, d'être vif, mais que euh, finalement c'est par excès de sensibilité que vous pétez les plombs, tout simplement. Alors, d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux, je dis bien relationnel parce que ce n'est pas forcément amoureux. Ici, on a le 2 de Pentacle qui nous parle de justement de gérer les aléas de la vie. Donc peut-être que par rapport à votre vie amoureuse, vous n'êtes pas, vous êtes peu enclin à être entièrement disponible parce qu'il y a plein de choses à gérer, parce que vous jonglez entre toutes vos obligations, toutes vos responsabilités. Vous êtes peut-être entre guillemets, peu, prévent, pré, peu présent dans votre vie relationnelle et amoureuse. Vous êtes euh, sans doute en quête d'harmonie, mais euh, on essaye d'équilibrer les choses, mais on est pris un peu au dépourvu par plein d'autres choses à gérer. Hein. Donc euh, ici, euh, on manque peut-être un peu d'équilibre dans sa vie euh, sentimentale pour être euh, totalement présent. Euh, ce 2 de, de, de Pentac nous oblige à, finalement à revoir nos priorités. Alors il y a peut-être quelque chose ici qui apparaît, qui, qui fait que notre esprit est ailleurs. Que notre énergie est ailleurs même, j'ai envie de dire, plutôt que notre esprit. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel matériel ici Nous avons le 10 de bâton. On arrive... Euh, avec une sensation de surmenage ici, hein, le 10 de bâton, on transporte tous ces bâtons sur le dos, c'est des charges lourdes à porter, beaucoup de responsabilités, beaucoup de, euh, et peut-être qu'on essaye de, de défendre ses intérêts et de dire, hé euh, hey là, euh, moi j'en peux plus, hein, j'ai trop de boulot à porter, euh, euh, il faut m'aider là, un coup de colère, on, on gueule un petit coup euh, pour dire, hé euh, hey toi là qui faut rien, euh, viens m'aider, hein, viens, euh, 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 entre guillemets, euh, le 10 de bâton, ça peut parler de sous-traiter, de lâcher quelques bâtons, euh, de les remettre à quelqu'un pour ne pas avoir euh, trop, toutes ces responsabilités, toutes ces choses à porter, pour ne pas vous épuiser euh, totalement. Euh, ou alors... Vous prenez une décision avec ce 10 de bâton, on, en, on vient à bout de quelque chose, on commence à se rapprocher d'un as ici hein, pour aller vers du renouveau. Il y a peut-être une décision ici d'aller vers de la nouveauté dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Alors, en tout cas, peut-être faire un petit peu attention à votre santé, parce qu'ici, plein de responsabilités, beaucoup d'énergie, ici, on, 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 on agit dans tous les sens, il y a beaucoup d'activités aussi, puisque chaque bâton représente finalement des mouvements, donc ça fait beaucoup de mouvements pour vous tout seul. Quoi. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, nous avons le diable, donc il y a effectivement déjà tout ce côté énergie, hein, euh, perte d'énergie. le diable, c'est euh, une vitalité. mais ici, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui vous bouffe hein, euh, avec cette lune ici. il y a quelque chose, des, des angoisses, des démons qui vous, euh, qui vous rongent. et des peurs, peut-être, qui réveillent certaines euh, ici, euh, certaines choses chez vous. l'impatience, la colère, l'agressivité. La, euh, la lutte ou, ou quelque chose comme ça on, on sent qu'il y a une certaine forme d'emprise qu'on est un petit peu euh... <laughs> un peu nerveux quelque part hein. le diable c'est pas forcément euh, l'énergie la, la plus euh, la plus légère, la plus euh, souple euh, qui soit dans son intériorité on se sent un peu peut-être un peu agressif quelque part aussi. Hein. Soit dominé, soit sous emprise et complètement dépendant des autres et d'être complètement à cran et à trembler dès que quelqu'un parle hein, ici, soit d'être nous-mêmes là à péter les plombs, à commander et à, à être dans une certaine forme de, de domination, oui, de, même de manipulation presque vis-à-vis -vis de certaines autres personnes. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril Le chariot, bon, on est toujours dans le déplacement, dans le mouvement ici, 7 de bâtons, 10 de bâtons, on avance, euh, on avance, il faut juste faire attention de ne pas perdre le contrôle de ce, de ce chariot, hein, parce qu'ici... Euh, on perd un peu le contrôle de son attitude, de son comportement, de sa maîtrise des événements. Et le chariot, bon, euh, je ne tire pas les, les cartes à l'envers, mais il pourrait tout à fait être comme ça. Euh, C'est-à-dire, attention de ne pas euh, euh, de rater le virage à force de, de ne pas vous maîtriser. Il est question quand même de reprendre les rênes des choses pour bien garder le contrôle de la situation. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec la deuxième colonne, ici, quel est votre état d'esprit avec le 7 de bâton, le 9 de coupe, on défend ses intérêts ici, euh, on défend son, son, son gagne-pain, euh, sa cause, ses projets, parce que finalement on a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espoir qui repose par rapport à tous nos mouvements, on ne fait pas tout ça pour rien. On veut que ça soit payant, on veut que ça rapporte, que ça nous rapporte quelque chose humainement, professionnellement, financièrement, sentimentalement. Euh, et donc, euh, on persévère, on ne lâche rien parce qu'on veut atteindre un but ici. Hein. On veut être aligné avec un but particulier que l'on cherche à atteindre. Quel est votre défi à dépasser Le 5 de coupe. Donc, attention à... On, on, comme on a dit... À, une imagination peut-être un peu trop fertile, avec cette peur de l'inconnu euh, aussi, et toutes ces euh, peurs, ces choses qui remontent en vous, euh, qui réveillent un sentiment de perte, de manque d'amour, euh, et d'avoir le sentiment d'être un peu mal aimé. Hein. Finalement, il euh, y a quelque chose ici où vous devenez un peu manipulateur peut-être, un peu... Euh, un peu vous-même sous emprise ou un peu un peu dur peut-être qui fait que que votre défi c'est aussi de, de lutter contre vos angoisses qui font que d'un seul coup vous vous sentez mal aimé Alors qu'est- ce qui va se passer avec le roi d'épée? il y a des décisions qui sont prises quant au travail quant à la qualité du travail quant à la quantité du travail vous défendez vos intérêts donc peut-être que... Euh, Effectivement, vous prenez des décisions ou vous affirmez des choses quant à, à vos collaborateurs, quant à la qualité euh, du travail. Et, et pour vous aider, il y a une. Avec le, le 10 de bâton et le 8 de denier, il y a beaucoup de travail quand même. Hein. Il y a... Et on parle de professionnalisme. Donc le roi d'épée prend des décisions quant à la qualité, à la quantité de travail. La justice, quant à elle, euh, dans ce qui va vous aider, le batteur, on prend une décision d'utiliser ses qualités autrement ou de demander à quelqu'un d'utiliser ses qualités autrement. Donc peut-être que vous prenez la tête avec un collaborateur qui ne fait pas le boulot et qui vous laisse être surchargé et vous péter les plombs et vous recadrez quelque chose ici pour parler de la qualité de son travail. Hein. Il est possible que, que d'un seul coup, vous vous preniez un peu pour le calife à la place du calife et que peut-être vous mettiez un peu à la place du patron, par exemple. Ou alors que le patron vous recadre vous-même, peut-être, mais j'ai un peu plus de mal à y croire parce que vous avez l'air de persévérer ici hein, et de travailler euh, dur avec ce 10 de bâton. Donc vous avez toutes les raisons, entre guillemets, de, de péter les plombs euh, plus que quelqu'un en face de vous parce que ça fait déjà beaucoup pas porter euh, sur vos épaules. Mais ici, on peut, euh, certains peuvent être amenés aussi, avec la justice et euh, le batteur, de, de, de prendre des décisions effectivement par rapport au travail. Le 10 de bâton, on n'en peut plus. Hein. On a peut-être envie de changer, euh, de, 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 de vivre autrement sa vie professionnelle, de ne pas être tout le temps dans le surmenage, le surcharger, euh, euh, être proche du burn-out. On a peut-être envie que certaines, certains fonctionnements changent. Alors, soit au sein de l'entreprise, soit en se disant, ben, on pourrait avoir envie de changer, par exemple. Alors, le euh, valet de coupe en frein ici est accompagné du 2 de coupe. Donc de la... De la... De l'émotivité, hein. euh, on le parlait ici d'immaturité, d'excès pardon, de sensibilité. Et finalement, on retrouve ce deux-deux-coupes qui, euh, qui essayent d'harmoniser aussi, euh, qui est un peu bloqué, euh, qui, qui se sent perturbé dans ses relations. Euh, on parlait d'ici de se sentir mal aimé. Ici, il peut y avoir quelque chose où on ne se sent pas forcément super méga à l'aise avec certaines de ses relations et qu'on euh, a presque envie d'arracher quelque chose, de péter les plombs, comme je le disais, de se mettre mal avec quelqu'un. De s'engueuler avec quelqu'un. Ici, peut y avoir un une problématique d'être de, de un peu... Euh, de s'éloigner de quelqu'un, de, oui, de se mettre en colère contre cette personne, de faire preuve d'excès de, de sensibilité, de lâcher les, les chiens sans même s'en rendre compte. La colère, elle survient d'un seul coup... Euh, L'impatience surgit d'un seul coup et il y a comme un incendie, une explosion ici. Paf Allez, hop, on a un ennemi. <laughs> C'est trop tard. Notre langue a fourché, on a dit des saloperies. C'est un peu. Ça pourrait être dans ce domaine-là, en tout cas. Dans le domaine sentimental relationnel avec le 2 de Pentacle, le roi de denier, bon, il y a des préoccupations qui sont sans doute. Euh, Au-delà du relationnel, je vous disais ici les hauts et les bas à gérer, euh, les responsabilités, euh, euh, toutes les obligations, les responsabilités, on a tout ça ici. Hein, euh. Lui, euh, il est très dans les finances, il est très dans la confiance, il est très tourné vers, vers finalement ses préoccupations financières, professionnelles, et euh, il, est, il est peu aimant, ce, ce roi de denier, il est juste protecteur, il, pas, euh, il ne montre pas de signes affectifs euh, particuliers euh, autour de lui. Donc peut-être que c'est un, un sujet qui n'est pas votre priorité dans un premier temps. On retrouvera, comme je vous le répète, une guidance 100% sentimentale un peu plus tard pendant le mois et une guidance professionnelle un peu plus tard pendant le mois. Justement, dans le professionnel, avec ce 10 de bâton, l'as roi d'épée, 8 de denier, justice battler, as 10 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive ici dans le domaine professionnel. On prend des décisions... Hein, euh, ici euh, de changer quelque chose. On veut changer quelque chose dans le domaine du, prof, du professionnel, n'est euh, là euh, c'est comme si on disait ça n'est plus possible dans ces conditions. il faut que quelque chose change, soit tu commences à travailler euh, parce que moi je ne peux pas, soit vous, vous me trouvez quelqu'un pour m'aider euh, parce que je peux pas, soit je change de, de boulot parce que je ne peux plus. Euh, en tout cas voilà, il y a des décisions importantes qui, qui semblent être prises dans le domaine professionnel. Pour vous, hein, les, les amis, balance. Il y a quelque chose qui a besoin d'être justement rééquilibré dans vos relations. Et peut-être parce qu'il y a quelque chose qui, qui est sur le point d'exploser avec quelqu'un en particulier. Dans votre intériorité, votre psychologie et le domaine spirituel, avec le diable, la papesse. Donc ici on ressent une certaine forme de pression, on a, on a des pulsions, hein, euh, voilà, c'est les pulsions de peur, de démons, euh, qui, qui viennent nous choper. Et la papesse, elle essaye de calmer le jeu, de rattraper, d'écouter sa voix intérieure, de méditer, de réfléchir. On, on voit une certaine forme de combat de, entre la sagesse ici hein, de, la, de la papesse qui essaye de dire mais tais-toi, tais-toi, tais-toi ne dit pas ces choses-là. Euh, et le diable, lui, il dit, euh, je dis ce que je veux. Donc il y a une certaine forme de lutte intérieure entre euh, euh, ce que vos pulsions vous donnent envie de faire et ce que la patesse essaye de rattraper. Hein. Pour terminer le mois avec le chariot, nous avons le 3 de denier. Bon. Je ressens les énergies du chariot qui pourrait, comme je vous l'ai dit, rater le virage. Et avec le 3 de denier attention aux collaborations, à la façon d'écouter les autres, d'être en harmonie avec, euh, avec vos collaborateurs et les personnes avec qui vous travaillez. Hein, parce qu'ici, il est question d'apprendre des autres et d'enseigner de, et aux autres. Il y a quelque chose qui peut être un peu euh, en décalage ici. Hein. Ou alors, les décisions ici qui sont prises hein, sont extrêmement bénéfiques, au contraire. Pour vos relations avec les autres, mais euh, ça va dépendre un petit peu de quel genre de problématique vous rencontrez justement avec les collègues en question. Est-ce que euh, taper su, euh, sur la table va suffire Tout dépend de votre euh, du plan hiérarchique euh, sur le euh, sur lequel vous vous trouvez aussi. Hein. Voilà les amis, balance comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. C'est justement le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous ressentez tout ça. C'est ça qui est le plus intéressant, hein, c'est de savoir comment le tarot vous parle à vous derrière l'écran de téléphone ou d'ordinateur. Euh, je ne le fais pas uniquement pour moi, euh, c'est juste aussi pour le partager avec vous. Alors évidemment, si vous ne voulez pas raconter votre vie euh, sur YouTube, je peux le comprendre, mais n'hésitez pas à me laisser... Euh, un petit euh, émoticône ou un petit euh, ⁇ je suis passé par là euh, ⁇ j'acquiesce euh, ⁇ non, <laughs> je n'acquiesce pas ⁇ ou quelque chose comme ça euh, ⁇ j'aurais plaisir à vous répondre, à vous saluer. Euh, voilà. Merci de liker, de partager, de vous abonner, c'est très très important. Sinon, mes vidéos finissent dans le trou noir, le fin fond du ravin, euh, au fond du coffre d'une Mercedes, <laughs> dans le fond du ravin, un soir sans lune. Euh, et euh, au lieu d'avoir un petit peu de lumière sur cette vidéo, merci. Pour votre soutien, les amis Balance, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances sentimentales, professionnelles et j'espère printanières si j'ai le temps. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao